Envie d'un séjour, d'une croisière, d'un circuit, d'une escapade de quelques jours? Seul, en famille ou en groupe, notre spécialité, le voyage sur mesure. Notre seul objectif, le voyage de vos envies. Objectif voyage, 6 rue Georgin, place du Marché Couvert, Épinal Centre-Ville. Yeah.
préparé toute la semaine à ça. Ça allait être un match du début jusqu'à la fin. On savait qu'il lâcherait rien. Tout le monde le dit, je viens d'arriver à la finale. Apparemment, c'était le derby. Et ça s'est vu, l'ambiance dans la salle nous a vraiment bien avancé sur la fin de deuxième mi-temps. Bon, Mathieu Merceron vous a sorti d'un mauvais guépier, entre autres. Ouais, avec des bonnes parades sur vraiment la fin du match. Puis la rentrée de Pierre Alain qui nous a fait bien quand même sur le début de deuxième mi-temps. Bon, ça fait 3 sur 3, pour l'instant c'est le sans faute avant d'aller à Saint-Gratien et puis d'être à rue de combat. Hein. Ouais, bah pour l'instant on garde notre première place, comme l'année dernière, les finales étaient forcées. C'est vrai que Saint-Gratien, on va devoir se préparer encore comme cette semaine on s'est préparé pour ça. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance au Palais des Sports hein? C'est une sacrée ambiance, apparemment les supporters du hockey qui devraient venir pour quelques matchs donner encore plus d'ambiance et... Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais là déjà c'était vraiment bien. Ça se passe bien l'intégration dans cette équipe des finales. Ouais. Aucun souci, les mecs sont super sympas, on travaille bien, il y a une bonne cohésion, une bonne entente. Il suffit juste de bien se préparer pour les prochains matchs. Pour conclure, est-ce que tu sens qu'Épinal a le potentiel pour rejoindre la Pro D2 dès cette saison? Parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs passés par cette division. Hein. 17, ouais, effectivement. Après ça va être un championnat rudement mené jusqu'à la fin. On va se préparer aussi pour le début de deuxième partie en janvier, qui les a pas réussi l'année dernière. Mais je ne sais pas du tout si on va pouvoir accéder à la Pro D2 dès cette année. Ce serait sympa de rejoindre le Grand Nancy, Xavier. Ce serait une bonne expérience. Un beau derby encore. Un beau derby encore, personnel on va dire. Ça allait le faire, il n'y avait pas de problème à avoir, il fallait juste qu'on corrige 2-3 choses. On a corrigé pendant 20 minutes, 22-23, et à la fin on est un peu retourné dans le travers malheureusement, parce que ça allait avec cette précipitation ou un peu le physique qui est devenu défaillant. C'est dommage, après bon on a quand même montré de bonnes choses je pense, on s'incline avec les honneurs quand même, et ça laisse quand même entrevoir de bonnes choses pour nous. Ah, vous avez pris confiance hein, dans les 5-6 dernières minutes, vous aviez 2 buts d'avance. Merceron vous a fait mal, hein, notamment. Je sais pas si c'est lui qui nous sort les ballons, si c'est nous qui prenons des chutes compliquées. Moi, je pense que les deux derniers que je prends à la fin sont pas évidents, sont un peu forcés parce qu'on va essayer de revenir. Plus à mon avis, une erreur, enfin regardez à la vidéo, mais une erreur un peu au niveau du tir, plus que lui qui fait vraiment des parades. On n'arrive pas à la qualité de gardien qu'il peut avoir, hein, loin de là. Je pense qu'on a été gentil avec lui. Donc oui, c'est sûr que ça nous a plié, des pertes de balles aussi, parce que je pense qu'au-delà des tirs manqués, on a eu des pertes de balles dans le jeu qui font mal. Hein. On a pris directement le but dans la foulée. Donc moralement, alors qu'on était bien en place, on s'est un peu désunis, et après ça s'est ressenti aussi en défense. Et puis voilà, on s'incline de 2 buts. Mais c'est un match qu'on aurait aussi bien pu gagner que faire match nul ou perdre. En première période, par contre, vous avez fait la course derrière hein, au score.
Une nouvelle fois, on est derrière, mais c'est de notre faute. On veut jouer trop vite, on perd des balles, on respecte pas les consignes qui nous sont données. Et on voit que dès qu'on a un petit peu resserré les boulons, et ben on est revenu au score. On est revenu, voilà, on était à moins 5, je crois. On est revenu deux fois, moins 2, moins 3. Et puis à la mi-temps, on limite la casse. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que si on s'appliquait vraiment, on pouvait passer devant. C'est ce qui s'est passé pendant 25 minutes, en deuxième mi-temps. Et comment t'as vécu ton retour à Épinal? Il y avait de l'émotion, forcément? Bon, ça va. Moins pire que le dernier match de l'année dernière. Non, ça va, parce que c'est un groupe sur lequel je peux compter. C'est vraiment des personnes sympathiques. C'est un groupe soudé, c'est ce que je recherchais. Voilà, un nouveau projet, de nouvelles personnes. Donc, jusque-là, ça colle à ce que je voulais. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on ait des résultats, parce que là, ça fait 3 matchs. On a 2 défaites, 2 à l'extérieur contre 2 belles équipes, je pense. Une victoire chez nous, il faut qu'on continue à travailler. Et je pense qu'après, le projet sportif, il va aboutir. Vous jouerez le maintien, clairement, cette saison? Je vais dire comme toute équipe, entre guillemets, modeste de la poule. C'est vrai qu'il y a 4 équipes qui descendent. Alors, on va pas se le cacher, plus tôt on sera maintenu et plus tôt on sera tranquille. Hein. Et après, s'il y a grappillé un petit peu au-dessus, ben, on grappillera. Bon, personnellement, tu fais 2 entraînements par semaine. C'est pas suffisant pour être tout le temps titulaire, avoir beaucoup de temps de jeu. Comment tu vois ça? C'est compliqué. Bon, après, je laisse le choix aux entraîneurs. Hein. C'était les conditions qui étaient données dès le départ. Donc, en même temps, il n'y a pas de surprise. On savait à quoi s'attendre. Les entraîneurs s'adaptent par rapport à ça. Il y en a 4 sur la semaine. Effectivement, j'en fais que 2. Bon, à côté de ça, je m'entretiens quand même. Mais c'est sûr que c'est pas les conditions idéales pour pouvoir prétendre vraiment à faire du handball comme un professionnel, hein, je le sais bien. Maintenant, au niveau où on est, on ne gagne pas notre vie à jouer au handball. Je suis également en formation à côté, donc faut privilégier ça aussi. J'ai aussi ma vie de famille à côté, donc c'est chargé, mais on arrive voilà, comme ça à combiner un petit peu tout ça. Bon, Sarrebourg, il y a un joueur qui a connu le très haut niveau, il y a un professionnel seulement. Et en face à Épinal, il y a déjà 4 joueurs qui ont connu la Pro D2, notamment 4 ou 5. Oui, c'est sûr que sous le papier, on n'était pas forcément favori, hein, loin de là. Contrairement à ce qu'Alexandre laissait supposer dans le journal. Enfin, c'est son intox personnel, hein, quand j'ai vu ça, bon, je l'ai pris dans l'autre sens. Mais non, la N1, elle est en train de basculer maintenant avec des joueurs pros. Nous, on n'en est pas encore là. On se complète petit à petit. C'est vrai qu'on a récupéré un étranger donc qui lui joue à temps plein, on va dire. Et d'ailleurs, qui a été assez performant ce soir. Après, le reste, bah, c'est des gens comme moi qui travaillent, qui ont des enfants, une vie de famille. Donc on fait comme on peut. Mais je pense que le résultat final, quand tout le monde s'investit comme il faut la semaine d'entraînement, ça suffit. Hein. Moi, j'ai toujours dit, il vaut mieux faire 3 entraînements bien qu'en faire 10 dans la semaine à moitié. Hein. Je pense que quand les gens ils viennent et qu'ils sont souvent qu'il n'y a que 3 ou 4 entraînements, bah, ils s'investissent à fond pendant 1h30, 1h15. Et ça suffit quand même pour travailler et être performant. Pour conclure, est-ce que tu vois Épinal rejoindre la Pro D2 à l'issue de la saison? Ce qui m'inquiète leaders, un petit peu, honnêtement, pour eux ce soir, cette situation qu'on a déjà connue l'année dernière, c'est que vous avez été en difficulté quand on est sorti. Je leur souhaite voilà, qu'ils fassent le meilleur chemin possible, hein. Je ne vais pas les incriminer, loin de là. Je sais comment ils fonctionnent, je sais comment ça travaille. Ils feront ce qu'ils feront. Après, ils ont peut-être aussi une marge de progression à avoir. Ça fait 3 journées, je pense que c'est pas facile de tirer un bilan à ce moment-là de l'année. Je pense qu'Alexandre va réussir à s'adapter son équipe par rapport à ce qu'il a vu entre autres aujourd'hui. Peut-être qu'en un sens, on lui rend service. Peut-être que les autres équipes qui ont vu le match là vont se dire « Tiens, si on défend haut, on leur pose des problèmes. » Il va se débrouiller, il va remettre d'autres joueurs. Bon. Je suis pas devin. Bon, oui, évidemment. Évidemment. Parce que là, c'est plus la même. On perdra pas chez nous en général. Chaque année, on fait une manche partout. Comme ça, on part mon copain et puis c'est bon. Mais j'allais dire, contre ce type d'équipe comme nous, un peu atypique à défendre haut avec un peu tous les gabarits, tout ça, c'est peut-être pas ce qui les facilite. Et quand on voit la semaine dernière contre Strasbourg, une équipe peut-être plus structurée, plus physique, qui correspond à leur type de jeu. Je pense que là-dessus, ils arrivent mieux à évoluer. Par exemple, contre ces murs, c'est un peu le même type d'équipe, ça va aller pour eux. Il faut qu'ils fassent attention, toutes ces petites équipes pièges, un petit peu comme nous, où je ne connais pas encore trop les équipes de la poule. C'est plus sur les matchs là, à mon avis, qu'il faut qu'ils se concentrent. Mais les gros rendez-vous vont être présents. Faire attention à ce qu'on appelle le traquenard. Surtout ça. Et puis après,